Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas prononcé cette phrase et ça fait du bien. Et je suis absolument ravie de vous retrouver après une pause assez longue dans mes vidéos YouTube. Une pause qui m'a permis de finaliser ma formation pour débuter l'aquarelle, qui vient juste de sortir cette semaine. C'est un très très grand bonheur pour moi et aussi une très grande fierté. Et pour cette raison, je me suis dit que ce serait bien de célébrer la sortie de cette formation avec une première démonstration d'aquarelle sur cette chaîne YouTube. Alors, dans cette démonstration, je vais peindre une vue du lac de Montbrion que j'ai eu la chance de visiter lors de mon séjour en Haute-Savoie l'été dernier. Et avec cette démonstration, on va voir tout particulièrement les différentes touches que l'on peut obtenir en utilisant le pinceau à lavis. Si vous faites cette formation, vous me voyez venir parce que dans le module 1, justement, il y a une vidéo qui vous explique comment utiliser votre pinceau à lavis et quelles sont les différentes touches que vous pouvez obtenir avec. Et là, je me suis dit, cette démonstration fait un super complément d'information. Et si jamais vous ne suivez pas cette formation, eh bien, ça vous fait quand même une démonstration d'aquarelle très sympa. J'espère de tout cœur que ça vous plaira. Et juste avant de vous laisser avec la démonstration, je vous souhaite une très 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 bonne année 2021. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Et puis, je vous souhaite le meilleur et beaucoup beaucoup de bonheur et une bonne santé. Et c'est parti pour la peinture. Oui, c'est vrai qu'il est très joli ce sapin. Ce sera un beau sapin de Noël. C'est ce lac qui est vraiment magnifique. Regarde avec le soleil, l'eau. J'avoue que les canards du début n'étaient pas filmés à Montbrion, mais ils étaient trop mignons. Du coup, je commence cette peinture par mouiller mon papier. Alors, je vous ai fait un petit montage de derrière les fagots pour cette vidéo, donc vous allez voir. En gros, en une quinzaine de minutes, vous voyez toute la création et il y a souvent du temps réel, mais par contre, j'ai coupé pas mal de choses au montage pour que ça vous fasse une vidéo digeste et que vous puissiez voir le processus sans que cela ne vous prenne trop de temps. En contrepartie, il y a des choses que vous ne voyez pas. Et les mélanges sur la palette, eh bien, ça fait partie de ce que vous ne voyez pas. Mais je vais vous expliquer du mieux que je le peux. J'ai commencé donc par mouiller tout mon papier et ensuite je suis venue lâcher du bleu céruléen pour faire le ciel. Ensuite, j'ai commencé les montagnes, toujours dans l'humide, ce qui fait que pour les personnes qui débutent, lorsque vous peignez dans l'humide, vous obtenez un tracé flou et la peinture va se diffuser un petit peu comme elle veut autour de là où vous l'avez déposé. Le bleu des montagnes, c'est le vert abyss de Schmink, donc il s'appelle vert. Bon, moi je trouve qu'il est franchement très très bleu. Et surtout, c'est une couleur qui est très granuleuse. Elle fait partie de leur nouvelle gamme de couleurs extra granuleuses. Et à cela, je suis venue ajouter du vert. Et je ne sais plus ce que c'était comme vert. J'ai pas l'impression que c'était le vert de vessie que j'utilise habituellement. Ou peut-être que si, et dans ce cas-là, peut-être que je l'ai mélangé un peu avec le vert abyss pour avoir un vert un peu plus bleuté. Et vous me voyez revenir par-dessus les zones que j'ai déjà peintes avec une peinture beaucoup plus concentrée. Donc souvent à l'aquarelle, on va commencer par la peinture la plus diluée, donc le rendu le plus clair, et puis on va venir rajouter des touches de plus en plus contrastées pour monter au fur et à mesure les zones foncées. J'ai commencé par ce qui était le plus en arrière, c'est-à-dire le ciel et les montagnes, et ensuite je suis venue faire le premier plan, c'est-à-dire le lac. Et il y a un plan supplémentaire, sur la droite du tableau, il y aura un arbre ainsi qu'un petit chemin, et cela, je vais les faire un petit peu plus tard parce que cela, je ne vais pas les faire dans l'humide, et aussi je vais les faire encore plus contrastant, ce sera vraiment les sujets les plus contrastants du tableau. Actuellement, vous me voyez esquisser un petit bout de montagne. J'en ai pas fait beaucoup parce que elle va être en grande partie masquée par l'arbre qui va passer par-dessus. Donc j'aurais pu peindre toute la montagne
avec une couleur très diluée et faire venir l'arbre par-dessus avec une couleur plus concentrée. Mais je ne l'ai pas fait. Je pense que j'avais en tête de laisser des blancs. Alors en fait, je fais cette vidéo à peu près 3 mois après avoir fait ce tableau. C'est pour ça que j'ai pas en tête exactement la démarche que j'avais. Mais je m'en souviens quand même un peu, donc je vous explique au fur et à mesure. Et là, vous voyez les petites touches de jaune, j'ai commencé en fait à poser les lumières du feuillage de mon arbre. Alors, tant que j'avais mon vert dans la main, j'ai commencé à venir esquisser un petit peu le reste de l'arbre. Mais en fait, à ce stade-là, je faisais un peu du tâtonnage, je faisais un peu comme je le sentais. Bon, si vous me suivez, vous savez que j'ai une pratique très libre de l'aquarelle. Donc là, en gros, j'ai esquissé mon arbre avec ce vert très 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 clair. Et là, vous me voyez en train de travailler le chemin. Et il y a des touches très foncées parce que ce sont des ombres portées qui vont être très marquées. Et j'ai fait le choix de les marquer dès le départ pour m'assurer qu'elles soient bien en place, en fait. Aussi, on me dit souvent que je parle trop et trop vite dans mes vidéos, du coup, je vais essayer de faire des petites pauses. C'est ma nouvelle résolution pour l'année 2021. C'est d'essayer de me calmer sur les commentaires de la vidéo pour que ce soit un peu plus facile à suivre. Alors là, je commence à peindre le tronc d'arbre. Non, ça marche pas. Hein. Bon, tant pis, je vais garder mon ton habituel. Du coup, j'ai commencé à peindre le tronc d'arbre avec certainement de la terre d'ombre brûlée. Alors, si vous ne suivez pas ma formation d'aquarelle, eh bien, peut-être que vous ne savez pas. Mais pour ce qui est de la terre d'ombre brûlée, c'est un brun très 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 foncé. Et celui que j'utilise, c'est celui de Daniel Smith. Et ce n'est pas pour rien que j'utilise celui-là. C'est parce que je trouve que cette marque en particulier réussit très 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 bien à nous concocter des couleurs terre qui soient vraiment crémeuses et homogènes et agréables à utiliser. Ce qui est très très loin d'être le cas de toutes les marques de peinture. Bien souvent, les couleurs terre sont hétérogènes, difficiles à étaler, difficiles à prélever. Donc, si vous cherchez de bonnes couleurs terre, je peux vraiment vous recommander celle de cette marque. Alors, je lui ai rajouté un peu d'outre-mer, je pense, pour les zones les plus noires, notamment l'ombre que l'on voit juste sous l'arbre. Quand vous voyez un noir assez intense, en général, c'est mon mélange fétiche outre-mer et ombre brûlée, ou parfois Inde entraîne et ombre brûlée, ça m'arrive aussi. Alors, en principe, on commence par le vert le plus clair et puis après on va poser un vert intermédiaire et ce n'est qu'en dernier qu'on va mettre le vert le plus foncé. Mais là, je suis sur un arbre qui est en contre-jour et qui va avoir vraiment un contraste très important. C'est vraiment ce qui va nous marquer quand on va regarder ce tableau. Et donc, j'ai préféré poser mes ombres les plus fortes assez rapidement dans la conception de l'arbre. Choix personnel. On n'est pas obligé du tout de suivre cette méthode. Par contre, je voulais attirer votre attention sur les touches de pinceau. Vous pouvez voir et vous avez pu voir depuis que j'ai commencé à travailler ce feuillage à quel point ces touches sont fluides et je réfléchis pas trop. Et en fait, je vais alterner la pression exercée sur le pinceau pour avoir parfois des touches larges et parfois des petits zigouigouis beaucoup plus précis qui vont simuler des feuilles individuelles. Ça, c'est quelque chose que j'adore vraiment, particulièrement dans l'aquarelle, parce que je trouve que c'est vraiment unique à cette peinture. Ces fameux pinceaux à la vie qui sont tellement doux et qui peuvent donc avoir ce genre de touche typique de l'aquarelle et en particulier pour la création des arbres, eh bien je trouve que c'est super agréable. Et si ce genre de touche vous intéresse, en fait il faut pas réfléchir, il faut faire danser son pinceau sur le papier et vous allez voir que on prend vite le coup de main. Quand on veut simuler une petite branche, on va le faire avec la pointe, vraiment la pointe du pinceau en le tenant à la verticale. Et puis quand on veut remplir une zone plus vaste, on va presser sur la touffe du pinceau pour que la touche soit plus large. Et surtout, ça me paraît important d'alterner en fait.
ce type de touche pour créer un résultat visuel qui soit intéressant. Il y a une chose que vous n'avez pas vue au niveau de la création de l'eau. Ça a disparu involontairement du film, mais si vous regardez à gauche de mon tableau, vous pouvez voir un couteau à peindre. Et en fait, lui, je l'ai utilisé pour tracer les petites lignes très très fines du tout premier plan du lac. En fait, pour faire ça, il faut que votre peinture soit encore humide, c'est très important. Donc vous mettez vos touches de peinture et vous les laissez se diffuser. Et là, vous prenez votre couteau à peindre et vous tracez des lignes. Alors, on peut faire ça aussi avec un petit clou, on peut faire ça avec le bout d'un cutter, par exemple. Mais il ne faut pas trancher la feuille, en fait, il faut juste la marquer. Si vous voulez, vous créez une griffure et les pigments vont venir s'y agglutiner. Donc, c'est une petite technique pour avoir une ligne super fine, très facile. Comme je n'ai pas fait les montagnes de droite avant de faire mon arbre, vous avez pu me voir combler un petit peu les vides laissés par le feuillage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle peindre en espace négatif, c'est-à-dire que au lieu de peindre le sujet qui se trouve devant un élément, eh bien, on vient rajouter l'élément de l'arrière-plan un peu par-dessus. Donc en fait, il faut éviter le sujet, il faut peindre autour de lui. Pour ce qui est du matériel employé, vous le trouverez listé en barre d'infos, mais il s'agit de mes fameux pinceaux à la vie Casaneo et le spalter que vous me voyez utiliser pour mouiller mon papier. C'est un spalter Cosmotop. Alors lui, je ne l'ai pas listé dans les pinceaux à vous procurer pour suivre ma formation d'aquarelle, parce qu'on peut faire exactement la même chose avec le gros pinceau à la vie que je vous avais proposé. Et ce gros pinceau à la vie est quand même plus polyvalent que le spalter. Mais après, bon, il y a des personnes qui vont peut-être préférer un spalter. Ça dépend aussi de votre façon de peindre et de ce qui vous intéresse. En tout cas, pour ma façon de peindre, eh bien, je trouve que le pinceau à la vie, c'est mieux. Et là, vous pouvez me voir peindre des sapins avec une méthode très personnelle de zigzag. Mais dans l'humide, en fait, finalement, ça crée assez facilement une silhouette de sapin, je trouve. Je trouve que ça les suggère sans avoir à y passer trop de temps. Pour en revenir au matériel, si vous débutez l'aquarelle et que vous ne savez pas par où commencer, sachez que j'ai écrit un guide gratuit du matériel pour débuter cette technique. Je le mets à jour régulièrement. Lorsque vous téléchargez ce guide, cela vous inscrit à ma newsletter et cela vous tiendra informé de la publication de nouvelles vidéos, mais aussi eh bien, des futures mises à jour de ce guide, puisqu'au fur et à mesure de ma pratique, eh bien, je vais continuer à tester de nouveaux papiers, de nouvelles peintures, et donc j'en profite pour enrichir mon guide. Actuellement, vous me voyez foncer une dernière fois les contrastes pour avoir quelque chose de vraiment très marqué. Je veux que l'arbre soit l'élément le plus foncé du tableau, plus foncé que les montagnes d'arrière-plan. C'est la raison pour laquelle je l'ai retravaillé. Et là, eh bien, vous me voyez créer des effets de végétation et aussi dessiner un banc avec un pinceau ultra fin. Ça s'appelle un pinceau jupon, mais moi j'aime bien l'appeler le pinceau jupette. Et ce pinceau là, il vous permet d'avoir des lignes super fines. Alors moi j'en ai deux, j'en ai un de la gamme Casaneo et j'en ai un de chez Léonard, et j'ai pris les deux pour pouvoir voir les différences. Le Léonard contient un peu moins de liquide, il me paraît légèrement plus raide et pour cette raison je le réserve à mes gouaches. Il est aussi très bien pour avoir des lignes très fines à la gouache. Là vous me voyez dégager quelques blancs avec un scalpel pour créer des bubules sur l'eau, et là eh bien vous me voyez avec mon pinceau jupon Léonard ajouter des touches de blanc sur le banc.
Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je suis ravie de reprendre ces petites vidéos du jeudi et de vous dire à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut !